Mesdames et Messieurs, pour la dernière fois, nous sommes bienvenus encore une fois au sous TV Lakay. Et donc, nous comptons avec vous pour nous porter la dernière vidéo pour vous sur l'actualité. Dans le pays d'Haïti, et plus précisément, et donc, je dis à la nous porter une toute dernière interview Gabriel Fortuné, qui lui-même perdit la ville dans le tremblement de terre, dans la ville Jérémy. Et bien, nous prenons le porter. Et donc, dernière interview que Gabriel Fortuné te baille avec Gary Henry dans l'émission Boukante la parole. Nous allons inviter vous, tendez, restez connectés, guys, abonnez avec le canal, partagez, commentez et likez surtout. Nous venons joindre pour une prochaine vidéo, peut-être plus tard ou bien demain si je veux. Mais en attendant, en attendant, qui ça, Gabriel Fortuné te gagne là, déjà côté dans le jour ça. C'était dernier interview là avant de perdre la ville. Et Henry, même quand tu par exemple, le terrain football là, il y a un gardien qui actuellement ferme les barrières. Alors, les fermes barrières, après le sénateur Foucault, se voyait deux gros projecteurs qui éclairaient tout terrain. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas dormir en noir. Et la sécurité qui est la barrière, il y a des gens qui les disent non pas rentrer, parce que ce n'est pas là où ils sont, ou pas là, ou pas rien perdu à leur temps, c'est le monde qui va dormir, etc. Donc, moi, je remarque que. Sans parler là, le petit coquin de fil à fin, sous les vidéos comme ça, oui, il est présent puisque mon appareil est à ciel ouvert, on est à la rue, bon, on est dans son panique, bon, on peur, etc. Donc, il y a des gens qui peut-être a plus suivi les corps, qui a suivi les personnels. Donc, même, moi, je vois quelques souterrains, éclairage, j'en ai pour beaucoup. Et je remercie un peu la radio des gars et de même que le sénateur Foucault. Est-ce que vous voyez éclairer et éclairer pour vous? Parce que mon Dieu dit plus ou moins à soi et à dormir avec un peu plus de sécurité du fait qu'il y a la lumière. En tout cas, intéressant. Et puis la bonne nouvelle, c'est que la route Cavaillon est débloquée, mais pour un fissuré, pour un coupé, et m'espérer que monsieur commence à réfléchir sur la question ça. Eh bien, et sous pas qu'un autre bagage, vous signalé Jacques Cassagnol. Merci et puis rendez-vous, c'est Bréal demain matin. La vie est toujours. Pourcentage et encore pire. Mais ça, c'est peut-être pour demain soir, parce que ma père route là demain, et là, moi, je vais camper, je vais regarder pour moi, est-ce qu'il y a une possibilité de continuer jusqu'à Jérémy, si c'est possible, si peut-être demain soir, si je vais arriver à Jérémy, en direct à partir de Jérémy avant. Ou a besoin en motocyclette pour arriver à Jérémy, parce que route là, il n'est pas accessible, il y a pile côté qui est coupé dans route là. Et puis, zone rivière glace, et zone masseline, ni coupée. Et puis, avant, femme padra, gain un pile, vraiment un pile, et alluvion, puis pas alluvion, éboulement qui fait, gain musecio qui tombé dans route là. Et appel avec CNE, travaux publics, pour capable de déblayer espace là. Parce que dans pile monde de grandeur, captain aide, captain médicament, captain support, captain et l'autre bagaille. Pour capable de venir aider des gens qui sont dans une situation difficile. En tout cas, merci un pile Jacques, travail là, il faut qu'on finisse, puisque il y a d'autres communes dans le département et Camperin, surtout Cavaillon, qui sont dans une situation difficile. Mais j'espère que nous avons demain matin pour nous parler et dans la soirée, dans Boucan de la parole. Merci Jacques. Allez, j'ai un plaisir. D'accord. Voilà Jacques Cassagnol qui en direct, qui était en direct avec nous. Et depuis les CAI, équipe ça qui était mobilisée pour capable à connaître de quoi il en est et dans et zone. En tout cas, dernière information qui arrive à nous en termes de bilan. En attendant que bilan Cavaillon en arrive, puisque yo fait découvrir plusieurs autres cadavres dans et des maisons qui étaient dans des CAI. Dans la zone Cavaillon, ils ont découvert un pilote et ont découvert vraiment un pilote cadavre à souhait à la. Gagnon caille, selon l'information nous jeunes, gagnent plusieurs jeunes garçons que ont découvert qui mourir dans la caille. En attendant que bilan et arrivé vin joindre nous, on dit que ça n'a 1297 monde qui perdu la vie. Gagné 1054 dans le sud pays, 119 dans le grand, 112 dans le nip, et gagné 2 dans le nord-ouest. Nous pouvons identifier qui côté qui dans le nord-ouest. Merci un peu tout le monde parce que nous sommes ensemble à soi. L'idée, l'objectif, c'est informer nous. C'est travail ça, méga fait.
émission sans commentaire, sans analyse. Analyse y a bien pour venir. Et nous perdu vraiment un gros garçon, Gabriel Fortuné, un vrai haïtien, un homme foncièrement honnête, on est qui te remet pays, qui te gagne l'amour pays. Dernière interview que nous réalisé avec Gabriel Fortuné, c'est jeudi dernier dans l'hôtel Le Manguier. Hôtel Le Manguier qui c'est la Caipam, c'est la toujours descend et c'est vraiment malheureux pour nous perdre un coquin chaîne garçon comme ça. Gabriel Fortuné, une dernière interview que nous réalisons ensemble avec lui, une interview qui a prêté dans l'histoire, dans l'archive méga, mais tout, une interview qui t'a marqué en pile monde. Interview bien sûr que nous avons vite entendu. Gabriel Fortuné, jodi, après la mort Jovenel Moïse, l'op gade, ça qui a passé sous terrain, jodi, et l'op gade concept de l'État. Jodi, à comment comprendre l'État haïtien face à crise ça après 7 juillet 2021? Crise là. La crise, c'est l'État, c'est l'absence de l'État, c'est l'effondrement de l'État, l'effondrement total. Mais dans le cas haïtien, c'est beaucoup plus intéressant parce que depuis 2020, le Parlement n'a pas existé. Et 2021, la Cour de cassation dysfonctionnelle totalement, une autre branche de l'État, théoriquement. Et 7 juillet, le symbole de la présidence, le symbole de l'État, le président de la République, le chef de l'État, disparaître. Mais 22 jours après, ça qui est intéressant, c'est que c'est comme si on était un pays normal. Il n'y a pas de cour de cassation, il n'y a pas de parlement, donc il n'y a pas de pouvoir exécutif. Et puis maintenant, c'est comme si on est un pays normal. La première explication, c'est que l'État, ça n'a pas les délires qui n'a pas existé depuis après Duvalier, il n'est pas dans le quotidien peuple là. Ce n'est pas lui qui permet le peuple à circuler. Ce n'est pas lui qui permet le peuple à vivre. Donc c'est ça qu'il faut, ouais, il n'a pas impacté la vie nationale. En seconde, bon, présentez-nous un moyen, montrez-nous un moyen ou bien un exemple clair, vivant côté que l'État, dans une époque, en dans vie chaque haïtien. C'est ça. Si nous prenons sur Duvalier, nous prenons Duvalier de 57 à 1986. Et sur le territoire national, dans toute section, d'ailleurs, l'État était présent par l'intermédiaire des chefs de section, mais qui était joué plusieurs rôles à la fois. Il est vraiment le chef, et il représentait le président, il représentait la justice, il représentait l'armée, il représentait la DGI, etc. C'est ça le chef de section. Mais chef de section, il fait la compagnie d'une quarantaine selon taille section. Il y a 40, il y a 60, il y a 70. Le papa de chef de section, M. Teguin, il y a une soixantaine d'adjoints. Et puis lui-même, il y a ses commandants. Et puis il y a un rapport direct chaque matin avec l'armée et le centre au niveau départemental. Et l'armée lui-même, il y a un rapport direct au niveau départemental avec Port-au-Prince, avec la République de Port-au-Prince, qui a un rapport régulièrement. Et chaque premier lundi, et de chaque premier lundi de mois que toute cette section réunit encore pour bailler rapport. C'est-à-dire que il y a un bail qui est essentiel dans la vie, pas seulement dans l'État, et surtout dans l'État, c'est la communication. Ça veut dire presque en temps réel, le pouvoir central les contrôler territoire. Et en théorie, avec Weber, il dit au consacré, où il y a l'État, l'orgue maîtrise des territoires. Et ce Duvalier, il y a une maîtrise des territoires. Et c'est le plus important. Il y a une maîtrise des territoires. Il y a une maîtrise des territoires. Dans le territoire. Non, l'autre débat, les deux, comme si l'État présent dans le quotidien haïtien, je comprends que c'était seulement à tous les niveaux, mais moi seulement présenté dans seulement contrôle espace-là. C'est ça. L'État seulement. Parce que quand l'on parle de présent, c'est côté santé, côté éducation. Non, on a bien. L'État, c'est d'abord le contrôle. Santé, c'est un contrôle lié, le contrôle sanitaire. Est-ce que
population ait accès à des services de santé, est-ce que les services de santé existaient? Mais, d'abord, si nous dispensons quelque part sur Duvalier, nous n'avons pas le travail. Normalement, le, nous n'avons pas ponctuel. Parce que sur Duvalier, là ou pas ponctuel, ou pas là, ça veut dire au compte Duvalier. Parce que l'État. Alors c'est au compte Duvalier. Ou dans l'école, ou dans l'école nationale, ou pas arrivé à l'heure, ça veut dire au compte Duvalier. Hmm? Non, alors c'est la dictature. Parce que Duvalier, l'État, c'est moi. Ça veut dire, et là, du compte Duvalier, on va faire peuple à soulever contre lui. Parce que, maman, petit, tu ne sois pas l'accès à ce service-là. Vous comprenez? Yogin doit aller même, mais ou même. Comme vagabond, on va boycotter pour voir. Boycotter pour voir. Ou son camoquin. Il dit ou pas le ouais, peuple là. Mais au moins il est là. Qu'est-ce qu'il faut m'oublier la dictature, etc. Dans l'histoire de l'humanité, ça veut dire et l'État prend diverses formes jusqu'à ce qu'il prenne forme démocratique qui idéalise à celui le monde entier à vivre là. Mais malheureusement, nous pouvons jamais vivre forme démocratique ça. Nous pouvons jamais vivre. Hein, de Dessalines à nos jours. Dessalines pas de temps, monsieur Mila, tu étais tué, monsieur. Donc, après ça, nous avons un projet politique pour nous donner l'État tout bon. Et au bras, ouais, dans un moment, je venais de parler de stabilité en pile, mais il ne pas t'expliquer le bien. Nous passons quatre gros moments en Haïti. Le moment de Boyer, c'était le moment de la consolidation, maintenant des acquis de l'indépendance. Et ça fait le tout obligé d'occuper la République dominicaine. Mais Boyer, c'est 25 ans. Après, Boyer, vous avez deux autres dans le pays, hein? Pas vrai? Et chaque département est autonome avec un général jusqu'à ce qu'on revient en 1915. Vous l'avez dit, pas d'organisation de l'État, pas de construction de l'État. En 1915, 1934, 19 ans, les Américains mettaient l'État moderne en Haïti. Ils construisent l'État moderne, dans l'État centralisé, dans l'État qui est capable de faire service, et au Capral, dans tout département, et sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire et sur le plan sécuritaire, ça veut dire l'État ça a été présent. Mais, Américain allait, ou tombé dans des autres là, et puis maintenant, ou tombé par quel gouvernement éphémère, etc., ou vient tomber 57, 28 ans, la dictature. Duvalier allait, qu'on a sorti de 86 à nos jours, 30 ans d'anarchie. Ça veut dire que ce n'est pas un pays qui a jamais gagné 20 ans pour l'organiser. Ça me dit là extrêmement important. Est-ce que Duvalier, pendant 29 ans, pas de possibilité pour le réorganiser? Oui, mais Duvalier était hanté par un autre problème. Malgré le formé VSN, c'est volontaire de la sécurité nationale. Ce n'est pas VDN, le volontaire pour le développement national. C'est volontaire pour la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est lui. Il est à la fois l'État et la nation. Il est quand l'État et la nation. C'est ça la dictature. Mais. Ils ont commencé à faire coup d'État, parce que nous-mêmes, nous avons une pulsion pour faire coup d'État, pour se protéger, les ressources du pays, c'est pas vrai, ils viennent concentrer, même pour conserver le pouvoir et pour le battre, tête et sa famille, sécurité. Donc, pas d'investissement, maintenant, en termes d'infrastructure, pas d'investissement en termes d'éducation, surtout en termes d'éducation, parce que c'est à cette époque, tous les pays de l'Amérique latine ont fait de gros investissements, c'est pas vrai, sur le plan éducatif. Ça vient de faire que il y a des hommes qualifiés, il y a des ouvriers qualifiés. Et parallèlement, il y a un mouvement d'industrialisation. Que nous commençons, mais pas nous, c'est toujours des mouvements inachevés. Que nous pas fait sur Duvalier. Duvalier aller. Mais quand c'est là de là, où n'est pas Duvalier aller, puis quand c'est là. Les ministres stasés dans tout le pays. Et puis nous fait 30 ans d'anarchie. Voilà. Ça important dans la situation que nous vivons là. Nous pas jamais gagné le temps pour nous construire un véritable État. Mais l'État, ce n'est pas seulement une présence militaire, une présence policière. L'État, c'est un système. Un système est bien monté, bien connecté, harmonisé, cohérent. Avant président, moi, je me dis, président, pourquoi on n'est pas de l'État? C'est pièce qui est là. Il dit, comment pièce? Je me dis, si on prend un véhicule, on démonte toute pièce, on met dans un sac, on prend un véhicule encore, on prend un sac pièce. C'est exactement le cas ici. Toute pièce là, mais pas de montage qui fait. Pas de harmonisation. Oh, même dans le principe théorique, il y a deux bagages qui sont importants. Ici, nous toujours parler d'une seule. C'est le principe de la séparation des pouvoirs à l'intérieur de l'État. Parce que l'État,
Le chef de l'État, c'est le chef des trois pouvoirs. Ouais. Mais en même temps, le plus important, ce n'est pas la séparation des pouvoirs, c'est le principe de la collaboration entre les pouvoirs. Sous prétexte de bataille politique, etc., nous toujours prenons le thème séparation. Théoriquement, nous quittons collaboration. Or, c'est collaboration, pas de cohésion. La cohésion au niveau de l'État, entre les trois pouvoirs d'abord, et puis maintenant les appareils d'État comme la police, et la fiscalité, la justice, etc. Dans quelle période la population a senti que l'État pas présent? Vous avez expliqué, pendant 29 ans du Valia, vous avez senti l'État présent, l'État dans le quotidien. Dans quelle période, puis après le départ du Valier, vous avez senti que l'État pas présent dans la vie quotidienne citoyen haïtien? Vous avez senti l'État pas présent après Préval, surtout après Préval 2. Mais avant ça, c'est pas présent, c'est présent. Parce que vous avez une sorte de métamorphose côté entrer dans un processus de dégradation. Vous parlez plus de délinquants qui étaient là autour des de chefs d'État, d'Aristide 1. D'Aristide 1 a joué à Jovenel. À Jovenel, a dit la clientèle politique, c'est, ce ne sont pas les citoyens qui se respectent, c'est, ce sont les délinquants. Jusqu'à ce qu'on arrive avec maintenant le programme de suite Mickey Michel Martelly, le banditisme légal. Sans le vouloir, maintenant, on vient légaliser, officialiser, maintenant, et ça n'est les délinquants, avec le banditisme légal. Préval fait deux mandats. Un peu le monde oublie ça. C'est pas parce que Préval est intelligent. Blanc est là. Manu, Minuya, Ministre. Après, du pays a tout occupé. Pour occuper le monde. Après la dictature, tout le monde qui fait mandat, c'est avec présence blanc. Mandat journal la gaspillé parce que blanc va là. Parce que le journal fait monter, il y a deux courants autour du journal. Un courant soi-disant nationaliste, qui dit l'île pour blanc aller. Il y a eu dit au papa Glen là. Un autre courant plus ou moins pragmatique qui te dit ah, c'est un pire bon que nous fait mandat avec blanc et puis nous préparer un départ ordonné. Mais nous finissons l'armée, nous finissons la police, les institutions républicaines, nous finissons mettre sous pied. Malheureusement, vous songez tout incident qui était venu avec le représentant des Américains qui était représenté dans, je crois, Minuya ou un ministre. Et puis ça finit mal. Que l'ONU n'est pas content, les Américains n'est pas content, ça qui passe. Que le journal va le payer très cher. Ça veut dire pas gain l'État vraiment après Duvalier. Hein? Et Aristide 1, c'est 7 mois, l'armée reprend pouvoir. Lorsqu'il retourne à Aristide 2, c'est les Américains. Pas qui t'en est bon moi qui n'ont ici. Regardez bien vous. Aristide 1, 7 mois. Après Duvalier, l'armée reprend pouvoir encore. Lorsque l'armée fait trois coups d'État, entre le départ de Duvalier et maintenant l'arrivée d'Aristide, on a eu trois coups d'État. Aristide 1, l'armée me répétait le Pomounio. L'armée, après 7 mois, l'armée reprend le pouvoir. Donc, Aristide 2, c'est les Américains qui viennent imposer. Et depuis là, les Américains, à travers les Nations Unies, ont été là, ils ont fait le Brésil, fait un exercice là, tout, etc. Et puis maintenant, les étrangers sont partis, et puis, ils sont tombés dans le tchouboum. Jusqu'à l'assassinat des Jovenel. Donc, mon cap bon menti, il dit, il a fait conférence, mon tana, c'est si, c'est là. N'a venu sur question ça. Nous toujours compte dans la présence de l'État dans le quotidien et haïtien. Et est-ce que haïtien, c'est lui qui crée ou bien l'accepter de fait que l'État n'est pas présent? Comment arriver à accommoder la question ça selon vous? C'est un constat. Et c'est là où on peut comprendre la résilience haïtienne. C'est là où on peut comprendre la résilience haïtienne. Nous pas occuper de ça. Ça, c'est où l'Europe fait radio, parler de l'État. L'Europe fait radio, paysan, fait que je suis entré bœuf, lui. Il y a un pâturage. Le matin, si il y a une radio, il y a le fer, ou bien Guinée, mais même c'est bœuf, lui, dans le jardin. Ça veut dire paysan. T'es pas beaucoup paysan, l'État. Ça veut dire l'État va bien pour lui. Non. Sauf l'Europe, il y a une élection. En élection. Mais dans un tribunal, par exemple, est-ce que l'État pas besoin? Non, mais regardez, pas des tribunaux dans les sections communales. Tribunal qui gagne, c'est de l'instant. Et puis ça arrive tout que juge fait grève, plusieurs. Oui, grève fait juge. En général, 80% caillou, c'est les doyens des zones qui résolvent jusqu'à présent.
que deux moun bataille, l'autre là rentre sous terre, l'autre là, etc. Doit les zones. Il dit non, mais bien côté les yeux. Il y a très peu de cas quand le tribunal, parce que le tribunal n'a pas même présent dans la section communale. Et l'autre, l'ensemble des sections communales, du bord des territoires, à 70%, l'ensemble des sections communales. Hmm? Si on prend maintenant les marges urbaines, on a les gros bidonvilles, pas de présence d'État, pas de commissariat. Commissariat toujours en dehors de bidonville là, pas de l'école nationale tout en dehors de bidonville là, pas de dispensaire, c'est toujours maintenant dans les périphéries. Hein? Donc, ça veut dire, nous ne pas vivre l'État au quotidien. Il n'y a pas vivre l'État au quotidien. Ça veut dire, même député, candidat député qui vient dans la zone, qui vient parler pour vous, automatiquement, ça vient député, il ne va pas dire rien pour nous. Non, il ne va pas dire rien. D'ailleurs, c'est intéressant que ce député au côté. Chaque 4 ans, il y a une bataille pour 2 postes. Parce que c'est 2 postes qui sont là, qui battent une courbe. C'est magistrat, c'est député. Ça, c'est dans les communes, les circonscriptions électorales. Chaque 4 ans, il y a des bruits. Nous ne pas faire politique chaque jour d'ailleurs. Nous faisons politique chaque 4 ans. Parce que c'est là ça, nous allons manipuler les paysans, et bah, ou bien les masses urbaines, pour les lignes députés, pour les lignes magistrats. Et puis après, n'oubliez la politique, qu'on a ce que fait. Le peuple aller même chaque 4 ans, il fait un petit récolte tout. Il va récolter là, t'as l'air, dans l'élection. Il va dire, il faut payer, il faut payer comme. Parce qu'il va le voir 4 ans après. Même le voyez un projet, le projet a toujours détourné. Il voit les copes là, député, magistrat, il voit les copes là, le peuple n'a pas jeune ni. Mais le peuple a venu comprendre ça, qu'on est gars, jeu télévision, etc. Et puis, le monde est ouvert, que Haïti là de tout. Bon, à sa façon, à son niveau. Donc, pas que l'État vraiment. Où dit l'État, ou alors, où aimez parler de mon État? Comment expliquer que quand même, il y a 10 sénateurs, un par département. Bon, depuis qu'il est, il a fait un débat sur le problème, ça, en Abdila. Tiens. J'ai fait expérience pendant mon cas, référendum à marché. Et puis, je me dis, bon, je passe dans 4 universités qui sont dans le bloc au cas là, pour moi, si il y a une affiche en termes de débat sur le référendum ou bien sur la Constitution. Université américaine. Et université publique du sud de la Borde. Tobek, Notre-Dame. BTI, bon ça seulement, aucune affiche. Nous allons changer la constitution, nous allons changer la constitution, référendum programmé au niveau universitaire de la troisième ville du pays, troisième département, aucun débat. Ça veut dire, si je comprends bien Gabriel, selon même, entre l'État et la population, un fossé, un vide, un abîme. On parle de l'inexistence de l'État. L'État inexistant. Non, mais non, on mette Mounio, les dirigeants, c'est Nabdil. Est-ce qu'on a dit, j'en définis la question là, entre les dirigeants et la population, gon vide, gon fossé, pas de lien du tout. Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Par exemple, si je prends l'éducation nationale, en dehors des examens du baccalauréat, mais le ministre des Finances, on doit envoyer chèque là directement à l'école. Mais ce qu'on appelle l'éducation nationale, ça n'existe pas. Hein? Et puis l'éducation nationale, pour qui est-ce? Pour qui est-ce? Le secteur protestant, il y a plus que 50%, 45 à 50% de l'école dans le pays. Secteur protestant, l'école qu'on est. Les écoles, ça veut dire, bon, l'école privée, il y a une deuxième loi. Les écoles privées, toutes confondues. L'Église catholique qui est troisième loi, l'État qui est quatrième loi. Ça veut dire, ce n'est pas l'État qui permet le petit peuple à l'école, c'est le collège y aller. Non, mais statistiques là. Eh? C'est le collège qui vous n'avez. C'est bœuf ou au vent, c'est terre ou au vent pour l'école. Parce que ce n'est pas l'école l'État vraiment. Alors, l'État n'a pas une offre hein, adéquate par rapport à la demande. Et c'est une demande sociale, ça veut dire obligé de prendre en compte. Même bon, mais finalement, on peut dispenser un pays avec le oui, à tous les niveaux, ça veut dire agriculture, etc. Mais tout le comment arriver mettre l'État ou bien créer un État enfin qui est capable, utile à la société? C'est ça. Mais c'est la question du jour. Pas une autre question que tout ce que nous avons dit. Il n'y a qu'une seule question.